Vous connaissez le document. Nous allons procéder au remplacement des planchers. On profite des températures raisonnables, 14 degrés. Les butineuses sont sorties. Et à deux, ça va vite. Il faut voir que le plancher n'est pas très très sale. Un peu de cadavre, de moisissure, sinon rien de grave. On passe au suivant. Sur la Saint-Nico. Toujours décollé avant. Il y a celui-là, non? Il n'y a rien dedans? Non. Ils sont propres? Pas propres. Quelques-unes, mais c'est rien. On met tout de suite la cale. C'est parti. Mmh.
c'était rapide. C'est pas si dégueulasse que ça. Non, c'est pas sérieux. Ou le plancher, pas dégueulasse du tout. Quelques un peu de propolis. Tout l'hiver. Oui, tout l'hiver, c'est pas excessif. C'est des ruches qui sont saines. Pour remplacer les planchers, il n'y a pas besoin d'ouvrir les ruches. Donc on peut faire cette opération sans problème à partir du mois de mars. Il faut juste laisser les butineuses sortir pour éviter de se faire agresser. Hop. Ils sont pas sales. Hein. Pas sales, quelques cadavres, c'est tout. On met un œuf tout de suite. C'est plus facile de faire cette opération à deux. On ne perd pas de temps. On ne dérange pas trop les abeilles. Par rapport à l'année dernière, je trouve qu'elles sont plus propres. Voilà. On peut voir que les planchers sont pas très très sales, ni propolisés non plus. Toutes les planches d'envol vont être démontées. Une fois démonté, je trempe les planchers Nico dans un bac d'eau avec de la javel. Je mets en même temps les tiroirs de fond avec. Je laisse tremper 5-6 minutes. Et je les gratte à l'aide d'un tampon Gex. Les planches d'envol, elles sont nettoyées aussi. J'enlève toute la merde au niveau des pattes de fixation. Je passe un coup de lasure sur le bois. Et une fois sec, je remonte tout ça sur les planchers. Voilà. Il est important de remplacer les planchers. Rien que pour l'hygiène de la ruche. Ça permet en même temps de les désinfecter. Il y a la solution aussi de gratter les planchers sans les remplacer. Mais c'est une opération qui nécessite beaucoup plus de temps. L'avantage d'avoir un jeu de plancher, c'est de pouvoir les remplacer et les désinfecter et en même temps les gratter s'ils sont propolisés. Voilà, terminé.